So if you're just rushing in here, you still need to get a number. You're gonna have to take your shoes off. That's if you just came in, do not dive into the water without getting a race number, please. So I'll just stand there, look at their hand number, and then yell the number to you. Perfect. You got a number? Yeah, okay. Perfect. All right. I feel like, I guess. It's 1:50 late going into the water if we're trying to make an adjusted time. Okay. That is not the man you want to have driving your airplane. Under 55 minutes for our women's champ. We're 7 on the clock right now. 107. Go, honey. 7.5 minutes away. Go, go, go. 400 is for us. But I was, you had her son out there practicing swimming. See this? Oh, yeah. Je viens de finir le 2 km de natation à la carrière de Caledon. Quelques petits problèmes pour venir. L'entrée de l'autoroute était fermée, donc malheureusement on a dû faire un détour qui nous a rallongé de 10 minutes. Et donc on est arrivé ici pour un départ à 7h30. À 7h22, il fallait que j'aille aux toilettes, que je mette ma combinaison, que je m'échauffe les bras. Donc j'ai commencé la course avec presque 2 minutes de retard. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai mon temps moi-même. Et j'ai essayé de nager relâché. Les conditions étaient vraiment très très bonnes. L'eau fumait parce que la température de l'air était plus fraîche que la température de l'eau. Donc c'était vraiment des conditions absolument magnifiques au début. Le soleil s'est levé, l'eau, la vapeur s'est dissipée. Mais vraiment très très bien. Assez tranquille. Malheureusement, 1 minute 51 de moyenne aux 100 mètres. J'espérais faire vers les 1:47, 1:48, donc un peu plus lent que prévu, mais c'était un très bon entraînement et vraiment très content d'être venu. Et merci à notre vidéographeur, une fois de plus, d'être ici au rendez-vous. Yeah.